ceci malgré la conjoncture économique difficile. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous vous rassurons de notre engagement à suivre notre formation afin de mettre à la disposition de notre pays qui fournit tant d'efforts pour notre évaluation. Comme à l'accoutumée, au cours des rencontres citoyennes, le président Denis Sassou Nguesso, qui a toujours invité ses compatriotes à poser même les questions qui fâchent, trouve souvent des réponses appropriées. Et il ne faut pas croire que les quelques difficultés que vous pouvez rencontrer, le retard de la bourse, etc., elles ne sont pas propres aux étudiants. Elles ne sont pas propres aux étudiants. Parce que le pays connaît une conjoncture difficile. Nous allons surmonter. Et cela, je vous le promets, nous allons surmonter ces difficultés-là pour relancer notre pays sur le chemin de la croissance, sans aucun doute. Mais pendant cette période difficile, bon, on se serre un peu la ceinture. C'est valable pour vous, comme pour les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler et quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois, on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis, bon, on constate qu'on a fini, enfin, par payer tout le monde. Et on attend le mois suivant. Vos camarades, certains de vos camarades, que nous avons envoyé à Cuba parce que le pays avait besoin de formation, besoin de médecins, de techniciens supérieurs de la santé. Certains d'entre eux ont eu à Cuba un comportement qui n'a pas honoré notre pays. Au terme de cet échange direct et franc, Denis Sassou Nguesso a partagé à la jeunesse sa propre expérience qui n'a pas été que rose. D'où, il n'a de cesse d'inviter les jeunes à plus d'abnégation.